Bonjour les amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue en cette belle journée de mardi. Mardi, jour de mars, jour d'arrêt, jour où en général on n'est pas bien dans nos baskets, on a envie un peu mettre des coups de latte à droite et à gauche. Alors merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages et vos abonnements. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Et l'autre chaîne, Chris Sinclair Show, qui commence à grandir. Donc, merci d'être là infiniment. Justement, alors vous avez vu qu'on a passé quand même les 50 000 abonnés. Et je voudrais à tous et à toutes vous remercier pour cela, que ce soit en France, mais aussi à l'étranger. Oui, les amis, j'ai informé tout mon réseau. Vous savez que j'ai beaucoup voyagé à travers le monde. Donc, j'ai informé tout mon réseau que j'avais enfin une chaîne YouTube. Je ne l'avais jamais dit avant. Donc, comme ça, ils le savent. Et ils m'ont fait l'honneur et l'avantage de s'abonner à la chaîne. Donc, la communauté grandit. Concernant, merci pour hier soir, donc concernant la chaîne Chris Sinclair Show pour l'émission Les Forces du Passé, qui apparemment vous a plu également. Et il y aura ce mercredi sur la chaîne Chris Sinclair Show à 18h exceptionnellement. Je vous montrerai mon masque anti-rides secret, d'accord, celui qu'utilise ma mère, qui coûte 3 ronds 6 sous, voyez-vous, ça ne sert à rien des fois d'avoir des produits de très très haut de gamme, surtout en prix, d'accord. Justement, je vous montrerai aussi quelques produits beaucoup moins chers, si vous voulez, et on fera les comparaisons, bien sûr, dans cette vidéo. Donc, rendez-vous ce mercredi à 18h sur ma chaîne Chris Sinclair Show, si vous voulez, la recette du masque anti-rides secret, et vous verrez que c'est pas très compliqué à faire, et très efficace, d'accord. Alors, d'entrée de jeu, je voulais vous représenter cet ouvrage. Nous allons faire, bien sûr, l'émission aujourd'hui, ça roule, ou pas, d'accord, vous verrez. Je crois qu'on va partir encore une fois en délire. Et je voulais vous présenter cet ouvrage qui s'appelle Le Grand Grimoire ou Dragon Rouge, Grimoire de Magie aux éditions Bussière. Toujours, hein, c'est la fameuse édition. Mais ce livre, qui est tout petit, hein, et qui coûte 16,50 €, ce livre a quelque chose de particulier, puisque beaucoup de gens ne le savent pas. Les papes utilisaient un grimoire et ils utilisaient le dragon rouge ou le dragon noir. Vous ne le saviez pas, ben je vous l'apprends. Est-ce qu'ils l'utilisent toujours? Certains. Voilà, mais j'irai pas plus dans le détail, d'accord? Donc c'est bien, parce quand on dit, oui, mais les papes et compagnie, voilà, ben je vais vous dire, ils l'utilisaient également, d'accord? Voilà, il fait combien de pages celui-ci? Oh, il est pas... 93 pages, d'accord? Voilà, il est tout petit, donc pour vous montrer que ça existe véritablement. Donc concernant la vidéo, ça roule ou pas? Nous allons prendre le tarot de Marseille par Kevin aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Allons-y. Alors, pourquoi on va faire cette vidéo? Parce que je ne sais pas si vous avez vu. D'abord, je voulais aussi adresser toute ma sympathie et à la famille du petit Matisse. Alors, il y a un coup c'est Enzo, un coup c'est Thomas, un coup c'est Matisse, voyez ce que je veux dire? C'est de pire en pire et ils ne font rien pour cela, beaucoup de blabla, c'est évident. Alors, nous avons vu qu'en Espagne, concernant la première sinistrose, vous allez dire, Chris, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Ben, ça a tout à voir, vous allez comprendre. Il était mêlé dans des affaires avec sa bonne femme, le Pedro, avec sa bonne femme concernant des affaires de malversation, des détournements, d'accord, de trafic d'influence.
Et bien sûr, c'est la même chose chez nous. Vous avez pu vous rendre compte que tout part en vrille. J'avais raison, hein, depuis le départ, quand je vous disais que ça allait partir en vrille, ça va continuer, ça va pas s'arrêter. Par contre, alors c'est pas pour le Pedro, mais comme ils sont méli-mélo, bon, c'est l'impression qu'ils font tout, vous voyez, ils font des gousi-gousi entre eux, entre le Bricaton, le Pedro, je sais plus lesquels, le Klaus, les compagnies, si vous voulez, ils font des gousi-gousi entre eux. Voilà, avec le Ata qui ne fait plus pipi au lit. Donc, je voudrais aller voir avec vous qu'est-ce qui va se passer par rapport à toutes ces magouilles et si on peut nous révéler d'autres choses, si vous voulez, qui vont sortir. Je ne crois pas que dans le temps, alors ça c'est mon expertise personnelle, que le Pedro pourra rester en place parce que la populace va véritablement rentrer dans le popotin. Alors, on le sait que nos amis catalans, on le sent chaud. Mais nos amis espagnols, tout confondu également. Donc, est-ce que ça... Il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Alors moi, je voudrais quand même être une petite souris. J'ai pas dit un rat à Paris, mais... d'accord, mais une petite souris, d'accord, pour savoir qu'est-ce qu'on va nous annoncer à nouveau. Ça roule, ouais, j'ai mis ça roule en espérant que ça passe avec Yuyu, vous savez, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué... sur le truc, hein. Alors je vous encourage parce que notre amie Agnès a fait une super vidéo ce week-end parce qu'elle a rencontré quelqu'un de très très connu, donc je vous encourage à aller voir sa vidéo qui était vraiment très intéressante et instructive, et à la fois vous abonner à sa chaîne bien sûr si le cœur vous en dit, d'accord, c'est une personne que j'aime beaucoup. Là je trouve qu'elle a pris une excellente énergie. Elle est partie vers quelque chose de très concret et c'est une fille qui a beaucoup de talent également et beaucoup de douceur et de gentillesse. D'accord ? Donc après, c'est mon point de vue, les amis. J'ai le droit d'avoir un point de vue. Alors, allons-y gaiement. Donc, dites-moi concernant cette chose qui va se passer, d'accord? Alors, dites-moi. Hop, ça roule ou pas? Ça roule ou pas? Est-ce que ça va rouler? Pas rouler? Est-ce qu'on va avoir des choses qui vont à nouveau sortir? Un nouveau petit cancan, ça nous dirait bien, n'est-ce pas, les amis? Alors, vous avez vu concernant la sœur qui n'a plus de bonne, et ben. Rien ne va plus, bien évidemment. C'est une école qui est en décrépitude et qui ne va pas s'arranger. Ben, ils mettront, ça sera la fin des pois. Et j'ai vu que Bricaton voulait, comme je vous l'avais annoncé à l'époque, il voulait mettre de la popolilis se priver, d'accord. C'est pour ça qu'il fait appel pour les J qui n'ont plus de haut à des gens privés. Voilà, et on s'est rendu compte, il y en a un qui était même, vous savez, S, voilà, point S, voilà, fichier, point, point, S, voilà, d'accord, voilà, ils ont découvert ça, et apparemment, d'après un journaliste, pour le coup, on va dire journaliste, eh ben, c'est pas le seul, voilà, bon courage à l'utesse, est-ce que je veux y aller? Non, je veux rester dans mon jardin. Voilà, donc, dites-moi concernant est-ce que ça roule ou pas, qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau de croustillant? Mais j'ai envie de me croustiller aujourd'hui. Bon, écoutez, je suis en humeur cabotine aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous allons apprendre? Vous savez que le Pedro machin chaud, bon! Oh là! Donc, nous allons apprendre des nouvelles malversations qui se sont produites, d'accord? Des gens qui se sont fait payer changement radical là. Ouh, je me cause déjà. Nous allons apprendre qu'au niveau du gouvernement, mais au niveau de la renée qui n'a plus de sens, ça va être le pugil qui n'a plus de là. D'entrée de jeu, ils vont se mettre sur la poire parce qu'il y a des choses qui vont sortir, surtout par rapport aux élèves, voyez-vous, du mois de juin. Ils sentent qu'ils vont ramasser une bonne paire de lattes
Tout simplement. Donc, ils sentent qu'ils vont se ramasser. Donc, les rats quittent le navire. Ben, ils vont se balader pour les gypes ou à l'utesse, bien évidemment. Ils iront peut-être dans la Seine, voyez-vous. Alors là, ça nous le dit clairement, je peux vous l'annoncer, qu'il y a quelque chose qui va sortir d'assez puissant. Et en fait, c'est comme s'ils se révélaient qu'ils ne pouvaient plus se cacher dans tout ce qu'ils font. Oh, ça commence bien. Je le sens bien, cette histoire. Un projet. Ah, il y en a qui vont tenter de se planquer. Oh là là, oh là là, il y en a qui vont tenter de se planquer par rapport à leur malvers pour insatiation. Et là, ça me dit clairement, en fait, des gens qui ont trempé le doigt dans le pot de confiture, hein, tout simplement, ça me le dit clairement. Et bien là, on va se marrer. On va se marrer parce que tant pis pour eux, ce sera bingo. Alors, vous savez, il y a des journalistes ou des journaleux que je n'aime pas du tout, mais quelque part, ils font du bon travail puisqu'ils font sortir des choses contre des gens que je n'aime pas du tout et que vous n'aimez pas non plus. Et c'est tant mieux! Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, il y a des scandales à venir, financiers, hein, bien évidemment. Et là, ça va sortir dans très, très peu de temps parce que, voilà, ça se voit. Alors, il y a le parquet, point, point, national, point, point, fifi, non, point, sié, on va dire comme ça, qui va se mettre à la manœuvre. Oh, punaise. Je ne sais pas qui est engagé à ce p.n.f, si vous voulez, parce que là, je vois un frappadingue, remarquez, tant mieux pour le coup, qui va s'en donner à cœur joie. Concernant le René qui n'a plus de sens, mais aussi le L.R. Voyez-vous, il y a des tas de choses qui vont sortir. Eh ben, tant mieux! Voilà. Il y a des choses qu'on n'oubliera jamais, les amis. Vous savez, du temps du coco, là. Vous savez qu'on était obligé d'avoir la potion, sinon on était bon à mettre, vous voyez ce que je veux dire, sous le tapis. Ça, ces gens-là, moi je ne sais pas vous les amis, mais j'oublierai jamais. J'oublierai jamais, je pardonnerai jamais. Eh oui, ça peut arriver. Moi, quand on me dit faut pardonner, non, non. J'oublie jamais. Alors, des fois, je passe à autre chose, mais j'oublie pas. Je pardonne pas, ça c'est clair. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Il y a une assemblée contre la peste aux étoiles. Ah ben c'est l'Ursulette ici. D'accord. Il y a des gens, alors concernant l'Ursulette, je peux vous l'annoncer, il y a vraiment, mais je vous l'avais déjà dit, des gens qui veulent la dégommer. D'accord? Les dégommer parce qu'elle n'est plus intéressante et elle est un danger potentiel pour eux, notamment la renée qui n'a plus de sens. Notamment, mais aussi le briquaton et notamment des gens qui sont du L qui n'ont plus de R. Donc là, à mon avis, ça sent mauvais pour elle. Et j'ai quelqu'un, enfin Thierry la Bretonne, vous la connaissez celle-là, mais aussi le Pandipanda du Havre qui voudrait bien l'avoir partir tout simplement parce qu'elle devient encombrante, parce qu'elle sait trop de choses, bien sûr. Bah, vous savez ce qu'on pourrait faire? On pourrait la prendre, lui mettre du sel aux pieds, et les chèvres, elles adorent le sel, et lui faire lécher les pieds par la chèvre jusqu'à ce qu'elle dise, elle ne supporterait plus. Voilà. Excusez-moi. Oh, bah écoutez, j'ai le droit de me gausser par moment. Hein. Alors, il y a. Ah ben alors là, ça nous parle de la potion, les enfants, dans les scandales qui arrivent là. D'accord? Ils pourront faire ce qu'ils veulent, ils n'y arriveront pas. Mais là, je veux dire par rapport à la potion, tout ce qu'ils ont voulu cacher, ça ne sera pas caché. En fait, ça ressort. Alors, on le sait, on l'a déjà compris que dans plusieurs pays, il commence à y avoir des plaintes pointues. D'accord? Oui, des plaintes, on va le dire comme ça. Il commence à y avoir des gens qui commencent à rouspéter et aller au tribunal. Hein. Donc, pour moi, ça va poursuivre cela. Je vois un gros démantèlement de certains gros labs.bobo. Voilà. Un démantèlement complet. Et là. Je pense que c'est une affaire qui ne devrait pas tarder quand même, où on va trouver véritablement, là pour le coup, je vois des choses médiatiques, mais je ne parle pas de chez nous, je parle plus au monde du bidon. Qui c'est celui-là?
Non, oui, je me gosse à nouveau. Je peux vous annoncer que ces lobes .bi tout azimut vont être découverts. Gros scandale, ça y est, je viens d'avoir un flash. Gros scandale avec divers pays, des touristes du sud, donc le cadre qui n'a plus de dard notamment. D'accord, mais ce ne sera pas le seul. Il va y avoir des découvertes d'implications financières sur notre territoire, bien qu'on le savait déjà quelque part. Je vous avais fait des annonces par rapport à cela avec des pampans qui sont cachés dans des endroits de certains, comment vous dirais-je, potes aux Zamba.sa.2, d'accord, voilà. Mais là, clairement, ça va sortir et nous voyons ici autre scandale. Puisque c'est ce que nous voulons. Donc, d'autres soi-disant étudiants avec des drapeaux, d'accord, qui manient point fesses, être touchés de l'argent de pays des touristes du Sud. Oh, c'est compliqué, comment il faut que je vous cause, moi? Vous comprenez, les amis? Je sais plus comment il faut faire. Ouh, cette carte ne veut pas sortir. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Rupture. Projets qui n'avancent pas. Tous leurs projets. C'est pour ça que moi je m'angoisse pas. Le bricaton fait que des crasses et vous avez bien compris qu'il n'aime pas du tout les franchouillards, notre cher bricaton. D'accord? Ça, c'est une évidence. Ils ne nous aiment pas. Mais là, je peux vous annoncer que leurs projets qui concernent les régions, notamment de nous bananer, à un moment donné, ça volera en éclats. C'est pour ça qu'il peut dire ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, se taper sur le ventre s'il veut. J'ai entendu dire aussi parallèlement, concernant Luc qui n'a plus de roi, que l'eau pointée, avait dit c'est pas perdu pour ces gens-là. Et bien sûr, parce qu'ils veulent mettre le boxon, bien sûr, aussi chez nous, voyez-vous, ils vont faire. Veulent faire un nouveau terrain de jeu pour tout recréer. Je vous rappelle que ce grand Charles, d'accord, le grand Charles, vous voyez lequel, je veux dire après les années 40 et 50, l'avait dit qu'il n'en voulait pas, d'accord, et ils sont en train de forcer la main et ils ont comme marionnette notre cher Bricaton. Est-ce que ça va sortir? Bien évidemment. De toute façon, chaque fois qu'il y a eu le boxon, c'est toujours arrivé par ces gens-là, c'est toujours par le monde du bidon. Et après, ils foutent le camp en laissant le boxon. Alors, qu'est-ce que nous avons? Communication par un projet. Alors, nous avons une communication ici et une non-communication. Donc, ils vont vous parler à nouveau d'une autre taxation. D'accord? Concernant limo.billet, c'est encore un nouveau scandale, ça. En fait, ils vont vouloir vous reprendre du pognon sur vos habits pointation. Voilà, si on fait le calcul à quoi sert notre flouze, notre blé, chaque fois qu'on paye, parce que quand j'ai des amis qui me disent, oui, mais moi je ne paye pas d'impôt, impôt, je dis, mais si, quand vous faites vos courses, vous payez des taxes, de la TVA, donc vous en payez, en indirect, vous imaginez? Voilà. Donc, ben, ça va chez eux, bien sûr, qu'ils redistribuent à des gens, touristes du Sud, d'ailleurs, de partout, mais pas pour nous. Pas pour nos petites retraites, voyez-vous, pas pour nos amis, rien du tout, ça les intéresse pas. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Il y a quelque chose de caché là, les enfants. D'accord, il y a un blocage par rapport à quelque chose de caché qui est à la paix aux étoiles. Là, je peux vous le dire. Mais quelque chose qui sera déversé à un moment donné, donc qui sortira. Oui, ça concerne l'Ursulette. Oui, ça concerne des projets qu'on ne sait même pas. Donc voilà, nous savons qu'au-dessus de Bilder.berg, il y a des gens encore plus haut qui sont intouchables. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de porter plainte contre eux. J'ai parlé des BAN. QUES. D'accord? Voilà, vous avez compris. Je pense notamment, alors ça me rappelle la Belgique parce que j'avais une voisine
qui travaillait chez A.X.A, d'accord, à l'époque. Et je savais que tout ça, c'était. Ils veulent fusionner le tout, si vous voulez. C'est leur objectif pour empêcher les petits d'exister. Alors, la réussite de ces lob.bibi et de tous ces sbires, niet. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Leur action, tout ce qu'ils vont vouloir faire à l'arrivée. Alors, je me répète hein, sur le sujet, mais je vous l'avais dit dans le passé, ça partira de la base. Ça veut dire des gens lambda comme nous, ce sera à force de dire non, d'accord? Vous savez, les sinistros des espaces présentés, hein? Voilà. L'autre, il nous fait, vous savez, la première sinistrose, il nous fait, il a une grande boîte à fromage, il cause beaucoup, mais derrière, il n'y a personne. Il est incapable de gérer la situation, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est une certitude. On prend deux autres. Alors, j'ai une rupture. Vous voyez, ici, par exemple, nous avons une petite épée juste au-dessus de la tête. Hein, donc, c'est bien nous deux. Regardez, je ne sais pas si vous la verrez. Voilà. Juste au-dessus de notre tête. Mais là, ça me dit, dans le futur, il y aura une rupture par rapport à tout ça. Donc, je ne m'affole pas sur le sujet. Et là, au niveau de la communication de tout ce qu'ils veulent faire, ils n'y arriveront pas. Mais nous n'oublions pas. Que l'impératrice, elle engendre un monde nouveau. Et là, je peux vous annoncer que le monde qui voulait mettre en place le niveau global ne fonctionnera pas. Je me languis parce qu'après le mois de juin, je voudrais bien voir la suite, la finalité de ça. Parce qu'après, bonjour, au revoir, un coup de pied, je vous dirai, voilà, débarrasser le plancher. En une fois. Ben voilà, en une fois. Et c'est par la populace. Et c'est par la populace. Là, c'est vraiment nous. Alors, pour le coup, les gens se foutent dans une rage. Hein. Alors, c'est comme les touristes du Sud, je dirais, ils feraient bien de partir. Hein. D'accord? Parce que là, ils n'ont jamais vu les franchouillards en colère. Mais là, de partout, enfin, tout ce que je vois autour de moi, hein, dans mes réseaux ou quoi que ce soit, je vois que les gens, là, maintenant, c'est plus possible. Maintenant, c'est le petit Matisse, c'est le petit Thomas de Crépole. Nous avons un autre monsieur à Roumont. Sa maman a parlé l'autre jour, j'ai vu ça sur les réseaux. C'est pareil, son fils a été, il sortait ouvrir ses volets de sa maison. Il y en avait un qui était derrière et qui l'a estourbi, voyez. Donc c'est juste plus possible. On peut plus, on sait même plus comment faire les choses. Donc ça n'ira plus pour les touristes. Hein, je vous l'annonce très sincèrement. Et là, nous rentrons en dualité véritable. C'est pour ça que les amis, je vous l'ai dit. Hein, d'ailleurs, un de nos amis me l'a fait remarquer que j'ai pas arrêté de vous annoncer. Faites attention aux ados, faites attention aux enfants. J'ai pas arrêté de vous le dire, vous ne pourrez pas me le reprocher depuis 2 ans parce que ça ne va pas s'arrêter. Il faut être clair sur le sujet. C'est quand les franchouillards commenceront à prendre leurs manettes à nouveau, si vous voulez, les manettes de ce monde, que tout commencera à bouger dans tous les sens et ça sera, voilà, à la volonté de Dieu, comme diraient certains. D'accord, faut respecter. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Le pognon, le pognon, le pognon. Voilà. Ben, tous les gens, les investisseurs vont être bien embêtés parce qu'ils ne sauront plus du tout où investir. D'accord? Tout ce que l'O.T.A.N et la C.I.A sont en train de tenter de mettre en place, ça ne fonctionnera pas à l'arrivée. Pourquoi? Parce que nous serons à même de dire non et de dire stop. Enfin, moi, c'est clair, si vous voulez. Hein. J'ai ma vie. On devient un peu égocentrique quelque part. Hein. Les amis, je vous accorde. J'ai un mari, vous savez ce que j'en pense. Tout est merveilleux pour moi. Tout se roule. Il m'a fallu des années pour arriver à trouver un équilibre de vie. D'ailleurs, c'est le secret du bonheur, l'équilibre. Et aujourd'hui, si vous voulez, le premier qui vient m'enquiquiner, c'est Bazooka, quoi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons un projet? Vous voyez. Donc, par rapport à leur projet initial,
de cette bande de frappanailles, je peux vous annoncer que nous avons la mort derrière. Donc dans le futur, ce sera mort. En même temps, alors je vous l'avais annoncé quand, dans la vidéo, j'ai fait deux ou trois vidéos sur le pape, hein, je crois, sur Rome, le Vatican et compagnie. J'avais annoncé hein, que, comment on appelle ça, que le pape, ça irait très mal à un moment donné. Bon, je vous ai dit que c'était la chute, mais aussi le système. Je crois toujours que le monde catholique et chrétien existera, mais autrement. D'accord? Voilà. Autrement. D'ailleurs, j'ai des gens, puisque je vais faire aussi un parallèle, des gens m'ont reproché par rapport à hier, ils me disent « mettez Dieu en avant ». Mais c'est la même chose à l'arrivée, voyez-vous. Vous êtes fait peut-être une idée marquante de Dieu, d'une façon comme un être humain. Pour moi, c'est une énergie, c'est quelque chose de puissant, voyez-vous. Voilà. Et pour moi, il n'y a pas une dualité. Il faut remettre les choses dans l'unité, dans chaque chose, et vous verrez que tout est simple. Et ça ne veut pas dire que vous ayez tort, ça ne veut pas dire que vous ayez raison, c'est que les deux se conjuguent. Voilà. Enfin, moi, je suis comme ça. Hein. Donc, voilà. Donc, ici, clairement, je peux annoncer que tout leur système va voler en éclats. Je ne parle pas d'une autre, d'une façon, si vous voulez. Mais il faudra, avec perte et fracas, mettre les gens dehors. Qu'avons-nous ici? Rupture. Ah non, 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 pas rupture. D'accord. Eh bien, écoutez, on leur dit clairement, il faudrait peut-être consulter un économiste ou un bon médecin. D'accord? Parce qu'on leur dit clairement, vous avez quelque chose au niveau du cerveau qui ne fonctionne pas. En fait, là, ça me parle la mémère. Vous savez, brunette la mémère. Brunette la mémère, on dit, on avoue son incompétence et sa débilité la plus profonde. Il n'y a rien au niveau du... De toute façon, c'est pas lui qui gère. Donc, voilà, lui se contente de blablater, boîte à fromage et compagnie. Ce sont des acteurs, ce sont des acteurs. Nous sommes tous des acteurs. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Ça me plaît bien. Donc, dans leur façon de vouloir gérer la situation, de gérer notre monde actuellement, ils n'y arriveront pas. Vous voyez, c'est juste à côté, ils n'y arrivent pas. Et derrière, il y a quelque chose de nouveau, qui n'est pas encore cadré, qui n'est pas encore mis en place, mais qu'il sera dans un futur. J'ai pas dit que ce serait simple, les enfants, hein. J'ai pas dit que ce serait simple du tout, mais je peux vous annoncer qu'à l'arrivée, nous serons... Mais là, il y a plein de scandales hein, qui arrivent. Là, si j'avais un journaliste à côté de moi, il y a plein d'enquêtes à faire. Hein. Notamment ces étudiants, vous savez, qui se baladent avec des drapeaux en ce moment. Allez voir, et ils touchent du pognon parce que je l'ai vu. Alors, pour moi, il y aura un regroupement sur le monde des finances quand on aura vidé les incompétents et les incapables qui ont des projets néfastes pour notre belle contrée. D'accord? Voilà. Donc, il y aura quelque chose qui émergera, mais autrement et différemment. Et comme le Pedro, là, d'Espagne, et puis les autres chez nous, et en Allemagne aussi, en Hollande aussi, je vois qu'il y a quelqu'un, je peux vous dire qu'ils ont intérêt à courir vite. Hein. Ah oui, parce qu'ils vont, je ne sais plus dans quel pays de l'Est, on les met dans les bennes, vous savez, à ordures, on les met dedans. Donc, nos n.mi sortent bien là, d'accord, et ça veut dire quoi? D'accord, avec leur monde avec, si vous voulez, qui volent en éclats de toute façon à la fin de la partie, et tous les gens qui sont à la manœuvre dans leur sens. Alors, je vais vous dire, si nous avons une personne qui nous écoute, les amis, qui se trouve dans ce camp-là, écoutez-moi bien, monsieur, puisque c'est d'un monsieur que j'ai, là, qui sort, révisez votre copie rapidement, avant qu'il ne soit trop tard, pour vous, hein, pour votre carrière. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, les amis, concernant cette vidéo. Ça roule ou pas? Pour moi, ça va pas rouler pour eux. Beaucoup de scandales à venir. On va s'en réjouir, les amis.
On va rester dans la bienveillance pour nous-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et n'oubliez pas, ce mercredi soir à 18h, je vous donne la recette sur la chaîne Chris Sinclair Show. Je vous donne la recette de mon masque anti-ride secret. Gros bisous tendres, bye bye!